maintenant, sort. Je me prépare à prendre la carte. N'entre pas dans la pièce, c'est tout ce que je demande. N'entre pas dans la pièce. Déjà qu'il n'y a plus de porte. N'entre pas dans la pièce. Non, non. On y va? Bah il faut que j'aille sur le PC, mais le monstre il est à côté. Et je sais pas si le PC ça ouvre la porte. Le PC ça ouvre la porte? Ok, d'accord. Ce jeu est bizarre, je cherche pas à comprendre. C'est une blague. Par contre, il réagit au bruit du PC. Mais qu'est-ce que... Quoi? Mais je sais pas. Qu'est-ce que j'ai manqué? Oh non. Allez hop. Il faut enfermer cette créature qui, je crois, nous tue en deux coups, dans une salle de merde. Attends, elle pète les portes en métal en un coup et tu crois que ça nous tue en deux? Ah, mais elle nous a déjà attaqué un moment. Ah bon? Ouais, et on n'est pas mort. Comme des grands. J'ai dû avoir très peur pour pas m'en souvenir, alors. Souviens, elle t'a filé un gros coup de griffe quand t'étais caché derrière une armoire et ensuite on a couru. Ah oui, ça y est, ça me revient. Bon, c'est parti? Ah mais gars, les couloirs, ils sont super étroits. Oui, tu es obligé de la croiser, mais... Rappelons-nous, dans ce jeu, la créature se tourne très lentement, mais elle court vite aussi. Bon? Eh, hey, c'est qu'un jeu. On voit rien en plus. Ah! Il est là. What? Il t'a attrapé? Ok, dans la salle embrumée. On est dans la salle embrumée. Oh. Il entre dans la salle embrumée. Maintenant, il faut. Oh putain. Il est où là? Derrière le pilier. Il nous a pas vu. Sors. Ferme. Il est enfermé à l'intérieur. Il fait quoi là? Oh putain la vache. Wow. Bon, après quelques petits problèmes de résolution informatique dans le jeu, nous avons réussi à avancer dans l'histoire. Normalement, le monstre est toujours enfermé dans la salle où il fait froid. Il faut que je retourne. Machine. Faut aller dans l'infirmerie, hein. L'infirmerie? C'était indiqué aussi. Enfin, je dis faut aller dans l'infirmerie, hein. Je dis ça comme ça, hein. C'est une intuition. Ou pas. Putain la vache. J'utilise une main qui n'est pas la mienne pour activer un système de sécurité. Hop, de retour. La porte est censée être ouverte maintenant. Ouais. J'adore les lumières qui clignotent. Ouais, c'est génial. C'est quoi ça? Infirmerie. Infirmerie. Enfin. 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 Ouais. Oh, sympa les trucs qui t'aveuglent. Il y a quoi de l'autre côté là? J'aime bien la musique. Moi aussi. Je referme. Oh. Porte de merde. Je crois que même si toi tu donnais un coup de pied dedans, elle se pèterait en un coup. Alors. Non, échantillon non humain.
Ta main. Ma main. What? Ta main est un échantillon non humain. Bon, on a récupéré une tête. Sympathique, n'est-ce pas? Donc, va à droite. Pourquoi? Une intuition. Cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une tête? Ah, je sais. Quoi? Comme dans les séries là où t'as besoin d'une main pour activer le truc digital, la tête ça te sert pour le truc oculaire. Donc tu dois trouver une espèce de grosse porte de bâtard qui a besoin d'un d'une reconnaissance oculaire pour s'ouvrir. Attends, là il y a un chemin. Là y... Ça a pu le refaire. Il y a une porte. Ça a pu le refaire. C'est pas grave. Alors, qu'on vous explique un truc. Tout à l'heure, il y a 2 secondes, il y avait un mur, là. Un mur. Tranquille. Aucun chemin. Je reviens là. Je vois là, il y a une porte qui n'y était pas. Ok, c'est quoi ce délire? Je me suis dit, bon, j'ai peut-être manqué. Et quand on revient là-bas... Quand on revient là-bas... Il y a ce couloir. Il y a le couloir qui est apparu. Bon, on prend la porte qui n'existe pas ou le couloir qui est apparu? On prend la porte qui n'existe pas parce que je te rappelle qu'on a ramassé une tête. Et qu'il y a un truc oculaire. Et bah c'est parti. Tu mets la tête. It work. C'est son père. Bon, normal. On est dans une pièce, il y a un cadavre, c'est son père, tout va bien. C'est pas très intéressant. T'as récupéré les notes, c'est bon. Ouais, j'ai pris des... tu prends des piles là. Ouais, j'ai vu. Et je crois que ça fait pas tout. Le padre. Là, on avait désactivé l'électricité tout à l'heure, donc je pense qu'il faut la remettre. Comment ça, on a désactivé l'électricité? Ah oui, non, j'ai appuyé sur un bouton. Oui. Sympa les couloirs. Je me demande qui c'est qui a fait la déco intérieure. Tu crois qu'on peut trouver quelque chose de pas forcément très rassurant là-dedans? Sûrement utiliser la déco. Putain, ça résonne. La vache, ça te tombe dessus. Le pire, c'est que j'ai un peu peur que ça puisse. Est-ce que tu peux te cacher sous un truc? Ouais. Non, ça c'est nul. Ça. C'est tout. C'est tout, tu peux pas passer à travers les installations. Non. Encore pire. Ouais, on teste des trucs, c'est normal. Non.